Bonjour. Bonjour. Vous êtes fâché? Au Siriki? Vous allez parler à quelle heure? Français. Vous êtes fâché? Non. Soyez à l'aise, le tribunal vous a salué, vous avez refusé de répondre. Soyez à l'aise. Français. Vous appelez comment? Béa Tilingi. Ah, c'est Béa. Non, Béna. Vous êtes né où? Angoujmaï. Angoujmaï. Le 14 oui. Décembre 1981. Fils de? Fils de Béa Gabi. Est-il en vie? Oui. Et la maman? Mouchia José. Est-elle en vie? Oui. Vous êtes originaire de quel village? De Katanga. Katanga, secteur? Tchini. Territoire? Tchini. Attendez. Province? Kasai Oriental. État civil? Célibataire, père d'une fille. Ok. Est-il fait? Diplômé en électricité. Religion? Église de Réveil. Vous habitez où? Sur 12e rue. 12e rue. 650, avenue Frésias. Vous avez dit avenue? Avenue Frésias. 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 Ah. Frésias, non? Ok. Une profession. Homme politique, vice-président de la Ligue des jeunes IDES. C'est provincial ou provincial? National ou provincial? National. National. Vous avez un numéro de contact? 082 180 160 62 62 34 34 085 085 12 12 55 55 3. Ok. Est-ce que vous avez reçu cette décision de m'envoi? Oui, j'ai reçu. Ok. Et la citation est terminée? Oui, j'ai reçu. Ok. Vous l'avez reçu établi à l'endroit du 20, vous l'avez reçu le 21. Et à ces jours, donc le délai a été respecté et le tribunal se déclare saisi à votre égard. Merci. Merci. Moukenge, Moukenge, alias Kondo Paul. Bonjour. Ah, bonjour. Oroba Mnoni. Kako Tozanago. Lingala. Ah, ok. Kongo Nonan, Yamobimba. Mubengayi Prosper. Kandete. Kandeti papa. Eh, Oroba Chiru Bobe Lingala. Kandaza papa. Te, Zalobi Kongo na yo. Mubengayi. Donc, Ebandi na Kandete, mais Ebandi na Mubengayi. Mubengayi. Oui, Mubengayi. Prosper. Prosper. Betukumesu. Ah, donc, Kande Mubengayi, Betukumesu, Prosper. Ok. Alias Chambuyi Kande. Alias T. Alias Wana. Alias Wana, c'est un peu comme un peu. Ah, Yosa non alias T. Ah. Ok. Obotamiav. Nakana. Namboulani. Le 12-12-1969. Les 7 étaient mais les 12. Le 12-12-1969. 1969. Ok. Papa Kombonan. Kande. Azali. Akufa. Maman Kombonan. Bombo Régine. Azali. Akufa Nay. Ok.
Yona muta village ni. Bena Kapuki. Bena Kapuki. Ah, okay. Territoire. D'abord secteur nan. Secteur Lubi. Territoire. Jimbelen. Province. Kasai Central. Osala Bintitni. Nasukaka na den nini. Deuxième mécanique auto. Ok, profession. La débrouillade 4. Osana Moissi. Osana Moissi. Kombonene. Mbelu Elize. Mbelu Elize. Osana Banaboni. Bane 12. Ni bane bakufa na tika na 10. Osana 10. Ovanda Babani. Navana na Kikwiti. Aveni Kikwiti. Navana na Kikwiti. Na province à Kikwiti. Ok. Na Venini. Avenue Benjim. Numéro. Numéro 36. Quartier. Quartier Lounia. Na commune. Commune Lukolela. Ok, merci. Yoko Zaki, décision de renvoi. Na Zwakam. Na signature au PAYO. Yangaï, mais dirons qu'on a bien. Ozaki, félicitations prévenues. Tout, na Zwa. Ok. Basa Tiango le 20, Ozango le 21. Lelo na. Si Lelo, donc, délai et coquille. Le tribunal syndical saisi à votre égard. Merci. Causons. Enfin. Calvin, où est-ce que tu Nambou Jumaï. Nambou Lanine. Le 30 août 1991. Papa, comment est-ce que tu es Loukeda André. Azali. Azali. Maman. Kajani. Azali. Azali. Aux originaires, il y a village ni. Moukompa. Moukompa, secteur. Djiboula. Di. Djiboula. Di. Oui. Djiboula. Ouais. Ok. Les districts de Tanganyika. Territoire. Kabeya Kamwanga. Kabeya Kamwanga. Province. District de Chilling. Province Kasai Oriental. Actuel. Bah, d'ici les Koufa. Hein? D'ici les Koufa, ça. Yo, mouton, pas n'en aïe. D'ici les Koufa. Où ça y va, classe ni? Sixième mécanique générale. Où ça va, m'sa ni? Nassa la taxi moto. Ah, Babi, vous allez adjoindre de sécurité la permanence du siège social du parti IDPS la 11e mai. Nga bakangeringa na bandal na limité te. Te tonga tu ibaka musalo sala. Te nasa kuna te na kumba moto. Nasa kumba na moto. Ouais. Mais nasa mamba IDPS. OK, ça va. Ozana moi si. Nasa célibataire bana mwana. Moi ça la fiancée. Vous êtes la CAF. Nous sommes chrétien catholique. Vous êtes la CAF. Nous sommes la venue Mouvenda, numéro 94, à la commune en Gringue. Et ça, vous êtes l'hôtel. Vous êtes chez Bisso, identité Bassoua qui me place. Vous êtes la CAF. Vous êtes la Mouvenda, et pas la CAF. Et pas la Mouvenda. Ouais. 94, commune en Gringue. Nazoaki, Namona Kango, mais ma gambouza la cage, des nazo et connaître par rapport à Tato Bakaratunga. Bon, avocat va expliquer yo. C'est bon. Ozaki, citation prévenue. Oui, Namona Kango. Et on va voir Samba Lelo. Oui. Le 21, des jours, donc, de les a respectés. Mais ma kambouza, si ma tout, si ça n'a pas identifié Batignos. Oui, c'est bon. Mais bon, on peut ça à moi, minute, Namona expliquer. Pour moi, ça yo, na si ça n'a on a identité baninga. Binonyo sokokoloba. Dogani? OK. Zala les. Merci. Kupa kwanze. Kamwanga Isa. Obotami api? Nabotami na Kananga. Nambulani. Le 7 12e mois 52. Le 16, le 12. Le 7 12. Baba komi le 12, obotami le 16.
Les 7, 12e mois. Les 7. 52. 12e mois. 1952. Papa Kombonan. Kamanga. Azali. Akoufa. Mama. Tokanyaonga. Azali. Akoufa. Oza Mutwa village ni. Chabambumba. Mwanza Ngungu. Chabambumba, village Chabambumba. Chabambumba. Oui. Secteur. Secteur Mwanza Ngungu. Oza Zula Kiamwapi. Territoire Ndemba. Province Kasai Central. Vous êtes marié ou bien célibataire? Naza marié, natikana ba na mwasi akufa. Pardon? Naza marié mwasi akufa natikana ba. Ah donc vous êtes veuf. Oui. Vous avez un bon. Vous avez un bon 15. Vous avez la classe 4 ans, commercial. Rien des gens. Vous avez dit biblique à bâtiment de Jouvain. Pardon? Étude biblique à bâtiment de Jouvain. Témoin de Jouvain. Protestante. Donc, vous avez un témoin de Jouvain. Oui. Jouvain. Profession Samson. Pour ce faire, c'est dans un salle maçonnerie. Maçon. Au vent d'agave. Avant, il y a la commune en série. Dans Venini. Matoumouli 50. Quartier. Talangalde. Aux ans, numéro de téléphone. Téléphone, il y a la salle. Aux ans, qui est décision de renvoi. Aux ans, qui est renvoi. La signature, il y a eu. Ok. Aux ans, qui est citation prévenue. Aux ans. Donc, établi le 20 aux occasions le 21. Ok? Donc, délai, ils ont respecté. Et tribunal, c'est des cas, c'est-à-dire. Tu n'as pas pris Bastou qui vous a bien. MP. MP, ok. Où ressemble à mon nom, oui? Comment on a eu? Au bout de la date ni. Le 10 mois 1991. Oui. Kumba papa. Et chez Lumenga. Lumenga Lugeni te. Et chez Lumenga. Et chez Lumenga. Azami. Akufa. Mama Kombo. Je viens du Kombo. Azami. Akufa. Vous êtes originaire du village ni. Azali Mwenzi. Bon, Nambo Kanini, village, pas Tomoni, Babagat, bon. Il n'a pas de Mwenzate. Bakata. Secteur. Vous avez le secteur Nambino? Secteur Nambino. Territoire pour éviter. Territoire. Province. Tu as pas commis Kouim. Kouim. Changé. Ok. Au Bana. Tu es un Bana. Tu es un Bana. Oui, c'est ça. Au Sabah classe ni. Je suis parti dans 6 heures. La salle de mécanique générale. Mécanique générale. Brevet ou bien diplôme? Parce que brevet, on a continué qu'il y a eu un peu de programme de l'électricité bâtiment à Kanyengai. Bon, donc, Kosa a breveté. Oui.
au sein de l'église. Emmanuel Charles. Au Val. Sibert. Na quartier Barabala. Bon, dans un quartier, dans un mari, jusqu'à même dans la quartier à Lac, on dit sur Lac. Combien de Sibert. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, le numéro de téléphone est passé à la suite. Il est obligé d'en avoir un chambo, 085 oui. 00 88 237. Ok. Vous avez une décision de renvoi, oui? Oui, la moi qui est en haut. Signaté PMU? Oui, signaté PMI. Ok. Citation à prévenir le Bakoya au Sambalelo? Oui, la moi qui est. Bonjour, mon ami. Le 21, au coup de l'année, le 20, établi le 20, réceptionnel le 21. Donc, le délai a été respecté. Le dimanche, c'est dit à votre égard. Merci, bonne journée. Merci. Colombie, Kombo na mes amis. Kombo na mes amis, Nambo. Nambo. Nambo, Katapa, Ali. Les amis, Mambouté, mes amis, Nambo. Mambouté. Nambo katapa ali. Ubota miyafi. Na bota mina katunga. Na dati ni? Na le 8, le 28, 1977. Papa no kombo ni nani? Katapa Charles. Charles Azali? Azali. Mama? Mushia Jose. Azali? Akufa. Yoza mta village ni? Naza mta village ni Napolo. Secteur? Secteur Lokimbo. Territoire? Dimbeleni. Province? Kasai Central. Où sera la classe ni? Cinquième des humanités. Où sera l'église ni? Pardon? Où sera l'église ni? Assemblée de l'Église protestante. Protestante. Où est-ce que ça va? Assemblée de ma, tout le monde va commettre sécurité militante à l'IDPS. Et ça partit dans ma. Bon, ça va être un peu de temps. Assemblée de l'Église protestante. Ok, ça va. C'est quoi le Vanda? La Vanda à la Massina, Pascal. Na baraba nini? Dispensaire au 2080. Na komi? Massine. Téléphone na yo? Téléphone le moyen au PC numéro exacté parce que c'est à mon groupe na matin. Merci. On n'a pas demandé l'état. Ah, état civil. Vous êtes marié ou vous êtes célibataire? Marié. Marié, comment vous êtes marié? Jean Poto Wanda. Jean? Jean Poto Wanda. Poto Kwanza. Vous avez un bon abonnement. Ok, c'est ça. Document, vous avez un bon. Document, vous avez signé, mais vous avez un bon. Ok, merci. Avant mon citation prévenue. Vous avez un bon. Vous avez un bon. Vous avez un bon. Ok. Vous êtes le 21. Ok. Vous signez que le 21. Oui. Ok, merci. Délai a été respecté. Le tribunal s'est déclaré saisi à votre égard. Merci. Merci beaucoup. Attends, la quitte, non, on vend. Au cas où, tellement. Non, vend. Vous vend. Commandant pour une audience. Kombo na yo lobi ozana nani? Kombo na ngai ezana nchakale katapa Nancy. Obota miyavi? Na botami na Embonyama. Ni Embonyama. Na date ni? Le 24 avril 1976. Papa no kombo nene? Katapa Nkuba Charles. Nkuba? Charles. Azali? Azali. Maman? Mushia Manchimba, José. Azali?
akufa. Yo nga mtamboka ni? Nazamu bindi ya nkusu na mboka ya Benampolo. Benampolo. Eh. Secteur? Nazana secteur Lukibu. Lukibu, territoire? Dimbelenge. Dimbelenge. Province? Kasai Central. Désolé. État civil? Obala ou bien Zali? Naza veuve. Veuve. Oza bana boni? Naza na mwana moko. Osa ka msala nini? Oza ménager. Eh. Osala ba classe nini? Ngai na sala coupe couture mais na zo diplôme té na balaki. La vente à la Pascal n'a venu dispensaire numéro 80. La Pascal. Commis la Massina. Au centre de la église ni. Naza protestante. Une décision de renvoi au yo. La moni signature est en gai, mais ma cambouza la carte n'a bien. T'es ok, non, mais au joie quand même. Nazoaki. Au tchèque qui fait signature au yo. Na tchèque. Au joie qui fait citation prévenir au yo. Yoko boya au sambalil. Nazoaki. Merci, établi en date du 21. Réceptionné à la même date. Le tribunal s'est déjà saisi à votre égard. Bon, merci. Ok. Kombonanga, Kapinga Mbwanya, Fatuma. Fatuma alias Fatuma. Non. Alias Oboy alias. Naboy alias. Ok. Obotami avu. Nabotami na Kananga. Na Mbulani. Le 10 juillet 72. Papa Kombona. Mbwanya Mpinda. Mbwanya Mpinda. Ok. Papa Kombonani. Mbwanya Mpinda. Aza Alphonse Inte. Alphonse. Aza Alphonse. Azali. Oui, Azali. Mama. Mouchia Thérèse. Mouchia Thérèse. Azali. Azali. Yoza Mutambokani. Naza Mutakananga. Tel village. Bakwa Djibwe. Bakwa Djibwe. Niveau secteur? Secteur du bataille. Territoire? Dibaya. Province? Kasai Central. État civil? Marie. Vous en parlez? Comment est-ce? Ngakema Nyekoto. Ngakema Nyekoto. Mohamed. Vous avez un abonné? 4. Nyekoto. Au salaire de la classe, ni. La scène à quatrième. Quatrième, ni. Humanité. Au salaire, mon salaire, ni. Ménagère. Religion. Islamique. Au vent d'agave. La fin de la commune en Célé. Au vent de la commune en Célé, n'a pas ni. Indondo. 59. Indondo, 59. Quartier. Talangay. Vous avez un numéro de téléphone? Téléphone des athées. Des athées. Ok. Bon. Vous avez une décision de renvoi au lieu? Je suis signé Libanda, mais je suis en train de faire. Il y a 4 naïotés, c'est-à-dire quoi? Je suis en train de signer Libanda, mais je suis en train de faire. Bon. Je suis en train de faire une signature des athées. Je suis en train de faire une signature. Et ça, signature, bah, lobby, signé, ah, signé. Ok, l'avocat va vous expliquer. Mais, vous reconnaissez quand même le signature. Oui, la signature. Aujourd'hui, qui peut me candidat, vous pouvez vous embarquer. Ok, merci. Tétina se déclare saisi à votre égard. Et les délais pour la citation. La citation.
www.lukoyeba.info. Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez Lukoyeba. Je pense que le bon français serait en annexe que voir la décision de renvoi. Et lorsque nous avons compulsé cette décision, du reste, la copie qui nous a été notifiée, le nom de M. Bakamana Georges devant vous n'y est pas repris. Et c'est quoi l'interprétation... Sur la décision. Oui. Sur la décision. C'est la décision de l'envoi. Oui. Oui. Et l'interprétation de ce cas, l'application stricte de l'article 214 de la procédure devant vous exige. Oui. Vous pouvez, avec votre autorisation. Non, comparer, nous avons tous ces deux cas. Comparer la copie que nous avons reçue. Oui. Oui. Exige que votre tribunal peut, dans le cas d'espèce, être saisi par une décision de renvoi. Mais la décision de renvoi qui nous a été notifiée ne nous concerne pas. Il y a un sérieux problème de droit qui peut impliquer même l'irrégularité, sous réserve sûr que cela sera repris dans notre mémoire préalable à l'instruction. Nous avons dit. Monsieur le Président, je voudrais compléter mon confrère. Oui. L'article 214 du Code judiciaire militaire dit ceci. Les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi. Oui. Émanant de l'auditeur militaire près de la juridiction compétente. Je m'arrête là-bas, monsieur le Président. Vous allez constater que le dossier qui nous a été, qui a été signifié à mon client, qui comparaît devant vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de charge sur lui, selon ce qui a été lu ce matin. Pourquoi ? La décision qu'il a été communiquée, qu'il a été signifiée, on ne retrouve pas son nom. Nous nous posons la question... Pardon, maître, comment on ne retrouve pas son nom aussi ? Vous avez la décision, son nom n'y figure pas, monsieur le Président. La décision des renvois. Oui, qui nous a été communiquée. La citation a prévenu ou la décision de renvoi? Monsieur le Président, cette citation dit la décision de renvoi est au verso. Bon, nous avons concédé par rapport aux Français, on devrait dire à l'annexe, comme mon confrère venait de le dire. Mais l'annexe en question, son nom n'y figure pas. Vous prenez la liste qui est dans la décision de renvoi. Vous allez constater que son nom n'y figure pas. Par conséquent, nous tirons des conclusions qu'il est en détention. Mais sans charge, c'est un moyen qu'on devrait soulever en principe par mémoire, mais nous constatons que puisque le tribunal doit prendre une décision tout de suite de sa saisine, il va se saisir d'un dossier où le prévenu n'a pas de charge. Séance tenante, monsieur le Président, on demanderait au ministère public, comme il n'a pas à retrouver les charges, il pouvait l'écarter, les mettre de côté. Et ça sera un bon droit. Nous avons dit à nos prémotions, monsieur le Président. Oui, ministère public, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci pour la parole. Monsieur le Président, je pense que l'avocat de la partie prévenue va vite en prison. Vous êtes en train d'identifier le prévenu. Je pense qu'à la fin de l'identification, vous-même, vous allez vous en rendre compte si effectivement le sous-prévenu n'a pas reçu sa décision de renvoi. Vous allez vérifier également si sur sa décision de renvoi il n'y a pas sa signature, et ensuite vous allez tirer toutes les conséquences. Nous avons dit. Oui. Oui. Je pense que monsieur Bakatoumana, cour de grand, monsieur Georges, cour de grand risque. Et là il s'agit du droit de défense. Le droit de défense constitutionnellement garanti. Et lorsque la personne n'est pas informée préalablement des charges mises à sa charge, si vous me permettez de cette tautologie logique, monsieur le Président, il y a même l'obscurité dans cet exploit qui vous saisit. Et
Je pense que le tribunal fera un bon droit. Et je voudrais rappeler aussi à l'organe qui nous poursuit qu'il est garant de cette loi. Il est l'organe de la loi. Ne marchez pas sur la loi. N'allez pas aussi en besogne. S'il vous plaît, suivons ce que dit la loi et la procédure sera bien suivie et le procès sera équitable. Les droits de défense sera aussi garanti. Si le tribunal comprend bien, donc vous contestez cette décision de renvoi ou la citation prévue. Monsieur le Président, je pense que lorsque vous référez à la citation prévenue, voire même la décision de renvoi, tous les deux espoirs manquent, le nom de notre client manque sur ce désespoir. Et ici, il s'agit d'une mention substantielle, d'une mention très importante au regard des pertinentes dispositions des articles 214 du Code judiciaire militaire. Donc, ce que nous sommes en train de contester ici, c'est que c'est la problématique de la saisine de votre tribunal. Vous n'êtes pas saisi, monsieur le Président. Et que ici, nous nous demandons même pourquoi notre client devrait se retrouver par devant votre tribunal. Voilà donc, monsieur le Président, il s'agit d'un cas sérieux de procédure pénale. On vous a utilement rappelé ici, de l'entente de ce procès, que les règles de procédure pénale sont de strictes interprétations. Ça ne donne pas la facilité à votre tribunal d'appliquer ou pas. Donc ça s'impose, il faut appliquer la loi. Merci, monsieur le Président. Oui, merci. Monsieur le Président, je voudrais juste compléter avec quelques mots mes deux confrères qui viennent de parler. Chez nous, au civil, quand on parle de réduction de l'envoi, c'est un mandat d'arrêt provisoire. Voilà que le ministère public amène mon client qui comparaît devant votre tribunal sans un mandat d'arrêt provisoire. Même un policier peut bien nous comprendre. Même un policier peut bien nous comprendre, monsieur le Président. Du moins qu'on applique à cette procédure un autre droit que les droits congolais que nous avons eu. Votre Honneur, nous pensons que il y a lieu que le tribunal dont on a amené mon client puisse régulariser cette procédure. Comment régulariser la procédure? Puisqu'il n'y a pas mandat d'arrêt provisoire, qui est la décision de renvoi. La conséquence de sa détention, c'est quoi? Il n'y a aucune pièce de procédure à ce moment ici qui régularise sa détention. C'est là notre problème. Bon, maître. Oui, ministère public, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président, de la parole. Monsieur le président, nous venons de dire tout à l'heure, pour la partie de la défense, de ne pas aller vite en maison. Votre tribunal est en train d'identifier le prévenu. Et par devant vous, monsieur le président, vous avez la décision de renvoi signée par le prévenu. Et en annexe, vous trouverez les libellés de prévention. Ça, c'est le 1, monsieur le président. De 2, nous sommes devant un tribunal militaire. Ce n'est pas un tribunal civil. Et votre tribunal, monsieur le président, est régi par une loi spéciale. De 3, monsieur le président. Le sous-prévenu est sous mandat d'arrêt provisoire qui gît dans les dossiers. Et vous n'êtes pas saisi du mandat d'arrêt provisoire. Je vous ai saisi en tant qu'organe de la loi de la décision de renvoi. Signé par l'unité militaire de garnison et contre-signé par le sous-prévenu. Où est le débat, monsieur le président? Nous avons dit. Bon, écoutez. Monsieur le Président, je pense que la nature juridique d'une décision de renvoi, c'est le mode de décision de votre tribunal. C'est ça. Et que la décision de renvoi, c'est un exploit de par la volonté du législateur qui
contient des mentions très importantes. Et quelles sont ces mentions? Vous avez d'abord l'identité complète du prévenu. Et que la loi, il y a même la doctrine abondante qui a relevé cette question. La loi fait de cette mention une mention importante, à défaut de laquelle votre juridiction n'est pas saisie. Je pense que l'organe de la loi devrait nous comprendre qu'en ce moment, lui qui est en train de poursuivre les clients, il ne peut pas l'appeler prévenu parce qu'il s'agit d'un prévenu imaginaire. Où est-ce que nous pouvons rester d'abord dans cette question? Vous avez soulevé une question sur la décision de renvoi. Et qu'est-ce qui manque dans cette décision de renvoi? Monsieur le Président, nous disons son nom, il manque. Son nom, il ne veut dire pas. Il manque si quelle partie de la décision de renvoi? Vous avez, Monsieur le Président, la page 3. La page 3 qui reprend les noms de tous les prévenus. Nous avons la copie qui est là, qui a été signifiée à notre client. Et son nom ne figure pas. Vous prenez aussi l'exploit, la citation à prévenu, qui est une exploit, une formalité très importante également. C'est la première page. Vous prenez aussi la page 3 de la citation à prévenu. Il n'y a pas son nom. Ce président, c'est l'identité. Donc on est en train de poursuivre quel prévenu. Bon. Ce n'est pas parce qu'on lui a notifié cette décision sur laquelle ou dans laquelle il n'y a pas son nom qui peut faire d'office directement quelqu'un qu'on doit être poursuivi. Là, nous disons que l'organe de la loi est en train de poursuivre un prévenu qui est imaginaire. Et c'est la loi, c'est l'article 114 utilement rappelé. Ok. Merci, monsieur le président de la loi. Vous avez la parole. Si nous pouvons avoir la décision, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le président, de la parole. Monsieur le président, j'ai devant moi la décision de renvoi qui, à la première page, reprend les noms du prévenu. C'est le prévenu Bakamana Kenapidika Georges et son identité suit. À la deuxième page, le libellé de prévention. À la troisième page, monsieur le président, là nous sommes, je ne sais pas si la partie prévenue va aller au fond, là nous sommes dans la prévention association des malfaiteurs. Dans l'association des malfaiteurs, monsieur le président, lorsque nous parlons de Bakamana, Bakamana ne peut pas figurer sur la liste de prévenus comme associé ou sociétaire. Monsieur le Président, je pense qu'il ne faut pas que votre tribunal vous laisse distraire par la partie prévenue. Si la partie prévenue a des préalables par rapport à toutes ces questions, monsieur le Président, elle connaît la procédure par les mêmes techniques, elle pourra s'exprimer. Nous avons dit. Merci. Écoutez, Bête, on ne va pas passer le temps sur cette question-là. Oui. Et vous avez lu la loi, l'article 214, qui parle de la décision de renvoi. Il y a la décision de renvoi de l'auditeur qui est là. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est quoi? Vous laissez les tribunaux identifier les prévenus. Et au moment opportun, vous allez déposer les mémoires uniques. Parce qu'à ce stade, vous risquez d'attaquer les fonds, d'aller même au fond de l'affaire. Parce que lorsque vous parlez déjà des... Dino qui n'est pas répit dans l'association de malfaiteurs. Donc, nous sommes obligés d'aller au fond. Alors, pour le moment, vous laissez les tribunaux, comment dirais-je, identifier les prévenus. Et puis, vos questions ou vos exceptions, vous allez les exposer par un mémoire unique. Merci, monsieur le président. Est-ce qu'il faut encore revenir sur cette question? Non, mais... je voudrais... Parce que lorsqu'on va vous accorder... Attendez. Lorsqu'on va vous accorder la parole, le ministère public sera obligé de réagir. Et nous allons continuer... notre réaction, j'allais dire, pour remercier le ministère public, et je pense que le secrétariat du tribunal a bien acté que monsieur le ministère public qui nous poursuit nous a déjà déchargé
soit déjà content. Déjà déchargé sur la prévention d'association des malfaiteurs. Maître, là vous allez merci, déjà au fond. Le... Non. Je m'incline devant votre... Oui, n'allez pas au fond, maître. Non, non, nous allons revenir par les questions. Vous viendrez, maître. Oui. Et la loi vous reconnaît cette possibilité-là. Merci. Il y a la citation après. Non, on n'a pas encore terminé avec lui. Il ne faut pas l'amener. Est-ce qu'il reconnaît cette citation prévue? Et la signature, il y a posé. Hein? Le Sénat se déclare saisi à l'égard du prévenu. Prévenu, Moukengesha, Ika Pougou Daniel.